chose de tout à fait nouveau cette année. Voilà. Donc... Le président du Golcar est également l'ancien président du Parlement. Et puis, plus récemment, on a... Peut-être sous forme de réflexion par rapport à la religion, parce que c'est vrai que souvent on ramène beaucoup de choses, je trouve, en Indonésie à la religion. Une discussion intéressante que j'ai eue avec Delphine Alles il y a quelques temps, qui travaille... Des tensions confessionnelles, mais au départ, c'était pas tout ça, c'était plutôt des conflits locaux basés sur l'accaparement, sur les influences politiques. Et d'ailleurs, c'est notamment le FPI qui a joué un rôle moteur dans cette reconversion, de retraduction des conflits. Elle est motivée par une autre finalité, qui est éliminer l'opposition, donc aussi faire en efficacité. Donc, en revanche, quand on regarde dans les classements internationaux, l'Indonésie et Singapour est effectivement montré comme cas d'exemple d'agences qui ont vraiment réussi à permettre, même s'il y a encore beaucoup de travail, une diminution significative aussi de la corruption. It should be the result of an evolution, évolution, rather than of a revolution, révolution. However, beyond the dispute between Suryakanta and Baliarnyana, Jabo and Triwangsa shared a common concern with the Balinese peoples in the Indies. In these publications, the Balinese presented themselves both as an ethnic group characterized by their own customs and of leading Balinese aristocrats and Dutch officials who worked hard to defuse what they saw as a political threat. The way to defuse that threat was to promote a renaissance of Balinese culture, designed by Dutch Orientalists' new fame of their island, to which they reacted in reference to tourism that was able to locate in Suryakanta, where friends were singled out for their artistic qualities and relocated to the domain of Budaya, or rather sunny Budaya.